Bon, petit crash YouTube, nous revoilà, c'était incroyable. Totalement volontaire. Par contre, je crois qu'on était encore en famine. Ah, non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait de beau? On avait dit de faire un nouveau champ de fruits. Et juste ici, bon placé là. Problème de répéteur, je sens que ça. Certains coins de. Enfin, qu'ils se sont. Alors qu'ils sont sur mes terres, bande de péquenauds! Alors, hop, hop. Hop. Cuisine boy, de quoi t'as besoin? Récolte. Oh, starving. Il me semblait que c'était fini ça. Va défiquer sur un cactus. Et bien dis donc, bonne ambiance ici, hein. Deux gens qui chattent, mais c'est déjà trop. putain, vous avez besoin de métal pour mettre dedans, je suis sérieusement. Juste enflammer des bâtons comme n'importe quel film. Limite de quoi. Pas mal de minerais de fer qu'on a pas de... pas notre dispute. Ah ouais, ça va, c'est amical là. Taylor, Weaver, ça c'est des chiottes. Ça produit du repas. Arrêtez de dire que vous êtes en train de starver, bande de mythos. Pleine forme. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut... un endroit confortable ou dans. Alors, on peut voir qu'il n'y a personne qui est habillé. Ordonner un maximum de... nos choses. Que les différentes classes sociales ont des différents de... Intéressant, intéressant. Encore des corps qui sont pas enterrés. C'est bon quoi. Alors, force de... Alors, oh là, du coup, c'était l'arrivage de métaux. Ils sont tout foufou. Faire des vêtements. Vous allez pouvoir vous habiller les plugs. Dites pas que votre seigneur vous aime pas. Weaver, c'est bon. D'accord, il fait du charcoal à partir de bois et de... C'est vraiment un ascenseur social ce jeu. Ouais, enfin là c'est un peu l'escalier social pour l'instant. On a des torches, on a même accès à des... Comment ça, pas de job? Que hein?
Notre hunting outpost. On paye pas des gens à l'inferno ici. T'as un temps en attente au dortoir. Ah ouais. Mais non, c'est bon, il y a 4 places disponibles. C'est des chemistes. Hop. Allez chasser, ça vous occupe. Mais ouais, je suis d'accord, on va peut-être faire des nouveaux dortoirs. Incroyable. J'ai cru. Surtout après la petite période de disette. Hein. Et on va leur mettre des bains. C'est de la lumière. Taverne. Alors, on va d'abord faire une taverne. Hein. Tu peux inventer la FDJ pour les chômeurs. Ouais, je peux leur inventer le tac et tac. Comme ça, ils... ou tapis vert. Comme ça, ils vont pouvoir essayer de jouer leur maigre paye que je leur donne pas. Alors, bien sûr, l'espace central était réservé pour la taverne. Quel meilleur endroit. Quel lieu de sociabilité. Eh ben, c'est pour avoir des chômeurs propres, absolument. Alors que c'est bien connu que les chômeurs se lavent pas. Ah. Table de knick-knacks, je ne sais pas ce que c'est. Tapis aussi. Bon, augmenter la cosiness, visible. Et arrêtez de faire des bruits de paix. Taverne égale lieu le plus important, mais oui. Les mecs, ils pourraient dormir par terre, avec tout cracra et tout, s'ils ont un endroit où picoler, y'a pas de problème. Ce stream est sponsorisé par la droite. De toute façon, après, je fais un contrôle des chômeurs, voir s'ils ont vraiment cherché un boulot, puis ils ont pas vraiment cherché de boulot, on va les exécuter. Et on va les manger. Bon, alors, ce que je vois à droite, c'est que notre réserve de bouffe est à peu près correcte. 5 jours d'avance. Bien. Bon signe. Ça veut dire que les gens ont tendance à arrêter de mourir. Ouais, mine de rien, c'est quand même déjà pas mal. On a déjà 98 habitants. Ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens sur la cible, pas mal d'habitants qui sont gérés. On a des animaux. On a un mec qui est mort dans le coin, mais ça compte pas vraiment. Il a fait exprès. Et cessez de décéder, merci. Et il n'y a pas la moindre forme de ralentissement. Très bon point. On va voir jusqu'où on va pouvoir pousser tout ça. Allez, ramenez le matos et vous allez pouvoir vous mettre la race. Je veux dire, profitez du bon temps. Hop, j'ai plus qu'à monter les... Et voilà, une taverne toute propre. S'il y a besoin de faire des choses. Il y a des postes de garde, je sais pas. Je sais qu'il y a des attaques de bandits. Et donc du coup, ce serait peut-être une bonne idée de se faire des militaires. Maintenant qu'on en parle. Un weaponsmith. Hein. Taverne, je ne sais pas. Ça doit être possible. Oui, on peut donner un nom à la taverne.
sera à la salamandre, bien sûr. Lieu de résidence de Roger. C'est vrai, ça. Lord. Des armes. Training grounds. Par des soldats. Je vais mettre près du cimetière pour les encourager. Alors, des mannequins d'entraînement. Jamais dans le cœur. Petit ange parti trop tôt à la taverne. Oh oui, il reviendra sûrement même. Projet PNJ célèbre de ma campagne de... C'était quoi, Donjons et Dragons ? C'était... Non, c'était Vampire. C'est l'espèce de pochetron que vous avez rencontré dans une taverne à Paris, il me semble. Pour une fois d'ailleurs, avec un roleplay de haute volée, hein, bien sûr. Du coup, le Stonecutter, bah, c'est bien. On va pouvoir stocker les pierres taillées. Au taf. Au boulot. Oh, pire, enfin. Je prends les bruits de pied au casque. Ouais, c'est un plaisir. Hein. C'est le jeu du prout. Et j'espère que dans les options, il va mettre une option désactiver les prouts. Deactivate fart noisy. Je m'en viens au casque, mon. Ouais, bah. Je ne vous le fais pas dire. C'est fin, léger et délicat. C'est fin, très fin, ça se mange. Et il commence à stocker de la pierre pour faire une statue. C'est bien. Encore du. Ah, c'est parfait. On va se créer une petite phalange de militaires. Et voir comment ça marche, les armées. Alors après, on va voir un petit tour de besoin. Qu'est-ce que ça donne? Taverne access, quasiment rien. Are you footing off my gueule? No workers allocated. Available services. Sourcils pour Dragifuka. Et Dragifuka, si vous nous regardez, il y a un partenariat à faire. Je prends toutes les offres. Au moins, on pourrait dire qu'on sponsorise un stream de merde. Déjà, ça va. Ouais, mais c'est ça, c'est les mecs, on les nourrit tout et après, du coup, ils se vident. Parce que tu brasses pas de bière que la taverne est pourrie. C'est possible. Je ne dis pas que c'est pas impossible. C'est une taverne où on boit de l'eau. Est-ce qu'on peut fabriquer... Faire des opiacés. Faire des légumes. Faire des glottebines. Après, peut-être qu'ils veulent des opiacés, on ne sait pas. J'ai pas de la 8-6. Ah si, une boisson qualitative. Rare pour faire fonctionner du shit. Alors. Comment ça marche? Parce que c'est peut-être ça en fait. Peut-être que leur taverne c'est une vieux fumoir. Une vieille fumerie d'opium. Pas de. Ça me semble.
C'était la madame qui s'est remise à chanter. Qu'est-ce que vous faites tous là? Vous avez rien d'autre à foutre? Bon, on a plus de place dans le dortoir, on va refaire des lits. Oh, vous êtes chiant les gens, on va dormir sur un... Un grand. Et moule de pieux. C'est marrant, tout à l'heure ils m'empêchaient de... Ils m'empêchaient pas de les mettre tous côte à côte. Je sais pas. Oui. Allez, faut supporter des bruits de prout et des trucs comme ça. Quelques-uns viennent de retentir, hein. Quelques petites perlouses, toujours de bon goût. On optimise un petit peu. Ah, du coup, c'est quoi des knick-knacks? Pas la moindre idée. En tout cas, ça augmente la cosiness. Comme les carpets. C'est un endroit qui est cosy à 50%. Elle va fermer les lèvres, j'ai mal au ventre. Est-ce que du coup ça veut dire qu'on aura 12 soldats? Ah non, on peut entraîner 1200 soldats. Je comprends bien. Peut-être un petit peu beaucoup. Yes. Division 0. Yes. Mustard Lemon, si tu veux. In order to deploy a user army, press the muster button to the left, click and drag to select. J'ai eu la suite. Or click the unit cards, you can use control to select the unit cards section. Select several. 1205 Corée du Nord. Oui! Eh ben, ça tombe, on va voir plein de mecs dans peu de temps qui vont. Ça, on se fait. Il est en train de soldurer. Bordel, ce pays militariste soudainement. Alors le taf ça a l'air bien. Le... Oh, ils sont à 1,03 quand même notre statut. Un impressionnant. Par contre, la taverne ça marche toujours pas et je ne sais pas pourquoi. Le worker de la critique, ils avaient. Quelle honte! Une taverne nommée la Salamandre où on ne fait rien. Mills. Ou alors il y a un truc spécial pour les Mills ici. Dans coton. Alors j'aimerais savoir du coup comment
rendre cette taverne plus vivante. Un knick-knack si tu veux, je ne sais pas ce que c'est, mais peu importe. J'ai besoin de vous. Maximum. Il est où mon meubleman? Il est là. Ah oui, mais en même temps que moi et tout. C'est pour... Ah. Je m'étonne pas que t'aies plus de meubles. Militaire. Les militaires. Zéro les militaires. Est-ce que ça veut dire que c'est des gens qu'on peut mobiliser ou pas? Les freins, ils ont toujours pas. Les rations, ils sont contents mais pas plus. Les rations de base, donc du coup ils ont pas encore les droits. C'est ma bière! Ah, mais la taverne pour l'instant c'est. Y'a pas ma taverne! C'est pas pour faire. Est-ce qu'il y a un endroit ici où on peut acheter des bulles pour la taverne? Allez, on va mettre un deuxième délivrer des pots et on va essayer de faire venir des opiacés. C'est peut-être ça dont ils ont besoin dans la taverne. Si ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas signalé autrement. Ça, c'est pour faire des routes. Les gens aiment les routes. Ça manque un peu de bruit de paix, je trouve là. On s'ennuie un peu. Ça manque d'un bon gros bruit de paix là, c'est. Hein? Petit Jean-Marie Bigard style là. Ah, tout à l'heure on rigolait bien, c'était bon enfant, genre ouais, ça pète de partout, etc. Et puis là, baisse d'ambiance sur ce truc. Là, t'as un stream. Limite mauvais esprit. Du tout, on va arriver dans de l'humour style Woody Allen, je veux dire. Alors, je sais pas pourquoi, par contre, mais quand ils dorment comme ça par terre, ils ont quand même l'impression. Ils ont quand même l'air d'être des gros poulets avec des habits. Enfin, moi, c'est après, je. D'accord, Nicknack, c'est de la petite fourniture, c'est des bibelots. Très bien. Un magnifique nouveau dortoir. Où les gens pourront dormir. Ils sont presque heureux. Ils posent toujours pas de fringues, mais ça compte pas. Oui. C'est bon, c'est les gars. Moi aussi. Il y a quelques. Une bonne idée. Ah, c'est bon. C'est bon. Ils ont pas assez de pierres. Un bruit de prout, c'est rigolo. Hein. Alors, mon Stone Mason, il est où? Macquarie. Eh ben, Paris, il n'y a plus rien autour. J'explique pourquoi on a plus de pierre. Hop.
Perry. Alors, ça donne un moult. Y'en a plat. Allez, hop, 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 ça taffe, ça taffe, ça taffe. On a 12 soldats. Pas d'équipement. Je vais leur dire. Il peut voir jusqu'à ça. Bon, il y a deux points. Ça y est. Merci. Pas de stockage pour les outils. Pas chaud parce qu'on oui. Un grenade. Pas. Ah non, ça c'est good bean egg, dis pas. Les fringues et tout, là-bas, c'est plein. Du coup, on met dans les poules. Et dire que Battle Gear avec une pièce, on peut. Deux pièces de fringues. Soyons fous. Fait les tombes, normalement c'est celui de Roman Louviac et soldat. C'est pas faux. Ah, du coup, est-ce que... Je viens de voir que... Policier, peut-être que pour la taverne... Là maintenant, il va pouvoir s'habiller. Ça c'est fou. Parce qu'on a une réputation de gens qui ont des... Oh, les gens sont habillés. Mais ouais, je suis d'accord qu'on va étendre le cimetière. Ah, il est plat. On va faire un cimetière un petit peu plus classe. Du monde, hein. En effet, la soldatesque, c'est un peu le genre à produire des cadavres plutôt qu'à en retirer. Hop. On va mettre des arbres. Le fleur. Comme ça, ça augmente le respect. On va mettre une statue au milieu. Ah. Donnez-moi ça. Je voulais. Ah oui. Super. Infrastructure, on va mettre. De pierre. Alors, il y a un petit peu de l'esthétique de cette chose. Hein. Au moins, la chose sur laquelle on aura fait un effort, c'est le cimetière. Ah!
Échec! C'est ainsi qu'il détruit par accident son sceptre. Bravo le mot. Alte B. Bon. Pas grave, j'ai du boulot, pédé. Porte. Très bien qu'après, il y ait des gestions de maisons plus individuelles ou de quartier. Que de simple résidence comme ça et qu'il y ait une gestion de famille, c'est ça. Et à soumettre. Pour le turfu. For the future. Cette fois-ci, on devrait avoir un cimetière un peu plus décent. Juste, ouais, on a enterré José en dessous du quota de cailloux là-bas. Il le vit bien. Il le vit bien, celui-là. Toi, tu t'appelles Toutam Totam. Si ça, c'est pas la classe. Toi, t'es. De la bouffe, ça va. Allez, on laisse avoir plein de comptes. Comment est-ce qu'on file si jamais vous le savez, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Comment on utilise une taverne. Une fois que le cimetière sera fait, on va faire des bains. Les gens vont être du pu. Parce que Dieu que le peuple pue, n'est-ce pas? Non, la gueule de notre réputation est comment? Besoin de bain, d'un endroit pour festoyer, de respect pour leurs morts. Impressionné d'avoir un accès à une taverne, mais ça. Des food rations, je sais pas comment. Ça fait 1,25, ils sont quoi? Ils sont plus contents. On leur donne plus à bouffer. C'est en logique. Hop, ça c'est. Comment tu fais pour être farming toi? T'as du monde enterré. Ça a augmenté notre réputation aussi parce que maintenant, voilà, il y a du peu réel respect. On peut pas les laisser traîner dans la nature avec les sacs poubelles, ça ne va pas. Du coup, on va faire des bains. Il va falloir un jour songer à organiser un petit peu tout le bordel qui nous sert de ville. Et que j'ai le woodcutter, on va mettre. Alors, un coup de tête dehors, on a eu. Ça va. Ça va être un très bel endroit. Et on va faire des bains.
Des grands bains. Alors. Des bassins déjà. Un truc un petit peu asymétrique. Voilà. Ça va être bien. Et donc on va choper policies. Et vous avez 3 accès au bain pour les, dans les 15 jours. Que comme vous. Que vous essayez de sentir trop bon. Et prendre l'habitude d'être propre. Ça, j'aime pas trop. Pas mal de trucs à produire. Pierre taillée, il y a du métal. Métal à ce point. Alors qu'est-ce que ça donne? Il nous manque de la pierre taillée, il nous en manque encore 10, il nous manque encore 19 de métal et on va pouvoir avoir des bains. Plus de déposer de finde. Oui, certes. Que veux-tu me dire par là? Et du coup, a priori, si jamais on taxe les... c'est l'argent, on va récupérer une partie des ressources. On verra bien. Tant de choses à découvrir, tant de choses à comprendre. Mais un jeu qui a déjà pas mal de potentiel. On va attendre que... terminer cet épisode. Une journée debout. On verra bien. On a plein de fruits, on a plein de grains. Même ça veut dire que... il n'y a pas de stockage dispo. Il faudrait avoir des chaînes de production un petit peu plus complexes et des moulins, des boulangers, etc. Mais vu l'activité du développeur, j'ai bon espoir que ça évolue assez rapidement comme jeu. À garder à l'œil. En espérant que lié à la Crexus lui dégage du temps et éventuellement des moyens pour accélérer le développement. On n'est pas encore sur la complexité d'un Dwarf Fortress, mais il y a tellement de potentiel que... très intéressant. C'est pas ce que veut dire du début. La carte est un petit peu grande. Alors les bains, c'est temps pour l'installation. Un retour. Et voilà, les gens peuvent même aller se baigner maintenant. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu des possibilités pour l'instant.
Et on va suivre avec grand intérêt ce jeu. Et puis on verra ce que ça donne au fur et à mesure. Donc c'est Songs of Six, pardon. Et c'est disponible en early access sur Steam. 2025. Si ça vous a tapé dans l'œil, mais si ça vous a tapé dans l'œil au niveau des mécaniques, pour l'instant, bah, n'hésitez pas à soutenir le développeur, je suis. Sur ce, et salut!